C'est Blizzard, en fait, à un moment ou un autre, si vous pensez que Blizzard va arrêter de se foutre de votre gueule alors que les gens consomment, bon bah voilà. C'est une honte, mais bon, c'était une honte prévisible, quoi. Faut pas non plus... Tu sais, en fait, moi j'ai l'impression avec Blizzard que les gens, ils sont toujours en mode Pikachu. Vous voyez le mime, le Surprise Pikachu? Je sais pas si ça parle aux gens, attendez, je vous montre. Tout le monde n'a peut-être pas la culture internet. Voilà, en fait, en gros, c'est en mode Blizzard sort un nouveau jeu, c'est de la merde, c'est honteux, le modèle économique est honteux, et les gens, ils sont comme ça. Ça me fume, en fait, bah non. Enfin, ça fait quand même quelques années qu'ils se foutent de votre gueule, Blizzard, quoi. Donc bon, qu'ils se foutent de notre gueule. Enfin, moi, j'ai arrêté les frais depuis maintenant 3 ans, mais... Tu vois, faut... Bon... C'est, j'ai toujours cette impression-là, tu abîmes Robot. Alors, il me faudrait une autre Wyvern Acro, Niluna. C'est flippant, c'est prévisible, j'ai envie de te dire. Donc Bambaro, il a eu son compte. Bah, la Barotte, c'est une Wyvern Acro, non? Vas-y, go, on se fait un petit Barotte. On va se déchaîner dessus, Niluna. Ah, je crois que t'es déjà dessus, en plus. Vas-y, go fumer un Barotte, là. Ça va faire du bien, ça. Il est où, le Barotte? Wouhou! C'est parti! Yes. Bah, c'est ça, ouais. Y a vraiment... En fait, dès le début, il m'aurait dit écoute, bon, moi, l'événement, je suis pas un grand fan, mais si je peux le faire, je le fais et tout. Ok, je comprends, tu vois. Mais en fait, c'est juste qu'il s'adapte en fait à son audience, quoi. Il y a un côté vraiment corporate police. Quel dommage. Ah, je suis nul. Terrible. Les gens n'ont pas besoin de t'aider. Je suis en train de massacrer un pauvre Aptonaut au lieu du Barotte, terrible. Enfin, mais il est où? Ça, c'est les phéromones, c'est ça, objet Barotte. Couronne boueuse. Ah non, c'est juste de la boue. Hein. Non, je suis vraiment en train de ramasser de la boue. Ouais, mais c'est ce que je cherche, là, du chill, on tape. Mais j'ai envie de faire progresser un peu, c'est l'analyse à droite. Je connais pas, donc je découvre un peu comment marche le fief, quoi. Mais pour ça, je veux d'abord finir l'analyse. Et ensuite, je vais voir. C'est vrai que c'est un build tank. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux ce que tu dis. C'est pas con. Je finis là, cette analyse-là, je vois ce qu'il en est. Et bon. Après, je dis, il est que 15h. Hein. Le live est loin d'être fini. Le live est très loin d'être fini. Attends, j'aurais essayé aussi ça. Donc, attends, je vais bouger dessus. Merde. Ah, ça, quoi. C'est chaud de rester longtemps vraiment. Ah, mais il est enragé, de toute façon, je suis bête. Faudrait que je m'entraîne aussi au grappin. Peu importe l'arme, je vais essayer d'en profiter pour m'entraîner aussi au grappin. Pour vraiment les diriger où je veux. Pour l'instant, il est enragé, donc on va rien faire du tout. Non, ça va pas faire. Si je me balade ou autre, je vais là. Maintenant je comprends qu'ils sont enragés puisqu'on est en train de lui mettre ce petit Barotte. Ah bah, tu l'as endormi non? Ah non, il est juste. Tu l'avais endormi Nina non? Désolé. Je l'avais pas vu. Hein. Ah! Oh le Tizi à coup! Incroyable! Il m'a suspendu dans les airs le Tizi. Mais non! Oh le salaud! Oh le salaud! Je me suis fait flasher dans les airs! Vous allez trop vite, vous allez trop vite, monsieur. Il m'a flashouillé dans les airs, la manie black, ce bâtard. Ah ah. Ah, pour le coup, j'ai beau... Je
l'ai jamais caché, hein, aimer la vitesse et avoir une voiture très puissante et avoir toujours bien aimé les bagnoles. Pour la petite blague, hein, en 5 ans de permis, je n'ai perdu que 2 points et 2 fois 1 point. Avec des excès de vitesse, en fait, de très basse... Ah bah attends, vous êtes tous les bienvenus là dans le... Là on tape des mobs vraiment en mode no brain, hein. Mais des petits mobs, hein, pas les gros trucs, hein, Tuco, je te préviens. Là j'ai pas, pour l'instant la force de gros mobs. Je préfère prévenir, ok. Je me rappelle encore des deux points que j'ai perdu, enfin des deux fois un point que j'ai perdu. Le premier c'était à Paris, je me suis fait avoir par une belle descente. Enfin en périph' parisien, sortie de périph' parisien, rentrée de périph' parisien, excusez-moi. Vous avez une putain de descente, et ces salauds ils ont mis un radar en bas de la descente. J'allais pas vite, hein, je me suis fait choper à 77 au lieu de 70, hein. Donc un point. Mais en bas de la descente, en fait, j'étais en décélération, et j'ai pas pensé à freiner parce que c'est un peu tunnel. Ils mettent un radar là, bim, un point. Et deuxième point, je revenais de Belgique, et c'était en sortie d'A1, nord de Paris. Pareil, c'est sortie d'autoroute pour le coup. Et là, pareil, en décélération, en fait, j'ai freiné trop tard. Pas, juste pas vénère non plus, je crois que c'était... je me suis fait choper à 4, entre 80, 95 et 100 à la place de 90. Si, non, signalé, mais c'est juste qu'à l'époque, j'utilisais pas toujours Waze dans les trajets que je connaissais. C'est quand je suis vraiment à l'aise dans le trajet, je connais par cœur et tout. Alors ça veut pas dire que je fais pas attention quand je conduis, ça veut juste dire que... j'avais pas forcément Waze, tu vois, de caler, quoi. Tu sais, même quand le radar a signalé, tu vois, c'est la zone, mais je freine pas tout de suite, moi, à part que je suis en décélération. Toi par exemple, admettons que t'es à 80 km/h à la place 30, ou t'étais à 80 parce que bah avant tu pouvais être à 80 et là tu dois changer, ça change de vitesse, donc tu freines pas généralement instantanément parce que le radar est pas direct. Donc tu freines pour arriver à la nouvelle vitesse. Enfin, tu décélères, tu lèves les pieds quoi, pour arriver à la nouvelle vitesse. Mais ouais, mais en vrai c'est pas grave, hein. C'était 2 fois 1 point en 5 ans. Donc non, je suis plutôt vigilant là-dessus. Plutôt vigilant. Le seul truc qui est relou, c'est que j'étais en probatoire. Alors non pas parce que j'avais pas mon permis avant, et parce que j'étais un jeune conducteur, j'ai beau avoir 35 ans, j'ai passé mon permis à 30 ans. Et en fait, quand tu perds un point, juste un peu point en probatoire, ça t'arrête ton cumul de points. En gros, je sais pas comment ça se passe chez les Belges, chez les Français, c'est un bon bordel. En gros, quand vous passez votre permis, vous êtes en probatoire pendant 3 ans, 2 ans, je crois, si vous avez fait la police accompagnée, 3 si vous avez pas fait la conduite. Et si vous perdez même un point pendant ces 3 premières années, vous arrêtez le cumul de points. C'est-à-dire qu'en gros, initialement, vous avez 6 points. Au bout d'un an, vous avez 8 points. Au bout de 2 ans, vous avez 10 points. Et au bout de 3 ans, vous avez 12 points, si vous n'avez pas perdu. En fait, en gros, il vous génère des points. Et si vous perdez un seul point, genre, moi, je suis passé de 6 à 5, ça arrête cette régénération de points. Il faut attendre 2 ans ensuite en infraction, d'un coup, pour récupérer tes points, quoi. Et sauf que l'année d'après, bah, j'ai refait une petite infraction, donc à 1 point. J'en ai fait une en 2017, une en 2018, ça fait une ou deux infractions à 1 point. Et résultat, il m'a fallu... je crois que j'ai dû récupérer cette année ou j'ai récupéré l'année prochaine, je sais plus. Quand il dort, non? Attends, je vais le capturer. Hein. Je crois que tu l'as éclaté, Nina, la pauvre. J'aime bien les capturer. On sauve la faune et la flore. On est là pour l'écologie, Nina, je te rappelle. On est là pour les étudier. On les affaiblit, mais on ne les tue pas. Bim. Alors, Wyvern Acro. Attends, ça a encore rempli des trucs. Je suis pas sûr de comprendre comment ça marche, résultat, cette histoire. Vas-y, go le... Il y a un Didi Yaku, là. Vas-y, go le buter. Go, 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 on va voir ça. Parce que là, je vois que je suis à 4 sur 5. Go se faire le zizi. S'il y a une quatrième personne qui veut venir, je lui on bute des petits mobs, donc il n'y a pas de... Là, c'est rang pour papoter, chiller, tester des armes. Voilà, moi, après, là, une fois qu'on aura fini cette analyse qui m'intrigue grandement, je vais essayer un nouveau build, on va le faire un peu de... J'ai envie de tester un peu de build tank, là, ça m'intrigue, hein, c'est le moment ou jamais. Hein. La question c'est est-ce que je le fais avec une lance ou une lance canon? Faudrait que j'essaie la lance canon, je pense que ça peut me plaire en vrai. C'est un gros bouclier, un gros canon. Bon, à tester. Parce que la lance tout court, le gameplay est basé sur les comptes, ça a l'air bien chelou.
Et bim! Dans la gueule. Ça, dans la cinématique, non, il disait que c'était une mue de Xenogiva. Mais on sait pas encore ce que c'est la bête. Je suppose que c'est ce que j'ai vu, un truc qui s'appelle le Safi-Jiva. Je suppose que c'est ça dont il parle. Merde. Ah, quand on roule, on ne peut être immune. Ah, j'en apprends un truc là. Oui, mais j'ai déjà fait. Enfin, ou alors il y en a un nouveau. Ah, là, tu penses qu'il y en a un deuxième? J'ai mal compris dans ce cas-là. Parce que le Xenogiva, tu sais, c'est le boss de fin de voir. Bon, là, on l'a déjà fait pour le coup. Putain, deux fois que j'esquive. Nice. Je suis pas forcément exprès, mais c'est stylé. Ah, oh, putain, ça, par contre, c'est pas stylé. Ah! Là, là, je vais. Il a fait un triplé là, le salaud. Pas de soucis, pas de soucis. Donc, Suko, il est à quoi là? Great Sword, ok. Ah, il a chuté dessus. Suko à la Great Sword et Nina, je crois qu'elle est au fusil arbalète. Je ne saurais dire si c'est léger ou lourd. Vu la taille du truc, j'ai envie de dire lourd. Mais je crois que lourd, il a un bouclier devant lui, donc j'ai peut-être plutôt léger. Oh, le pauvre Zizi Yaku. Pauvre bête, quoi. Terrible. Vous avez pas honte? Oh. Le monstre qui est va bientôt quitter la région. Ah, salut. GG. Bien joué, ça. Oh, 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 oh. Bruit de couche, je sais pas si c'est lui. Ah. Ça, je ne sais pas. Non, les bruits de couche, je crois que c'est lui. Oh, draconique. Ah, photo fort. Elle est super classe, ta tenue, là. En foudre rouge comme ça avec ton arme, ça fait assez stylé pour le coup. Ah d'ailleurs, faut que je finisse les tickets VIP hein, pour avoir le stuff de roi des bons visuels là. Pour me balader en Dracula. Hein. Mais oui, on est d'accord que c'est un bug, il a une boucle d'oreille depuis tout à l'heure ce con. Hein. Ouais, je sais qu'une peau pensée sera comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Nina elle est en train de se faire bouillir. J'ai. Mais il l'a toujours sur la tête sa boucle d'oreille. Ça doit être un bug visuel, je pense. Ah. Je crois que c'est Nina qui nous a fait voler, du coup. Trop d'explosions. Trop de TNT. Hein. C'est Nina, ouais, qui lui met les explosifs, effectivement. Mais regarde, Nida, qu'il a un... Le missile, il est plus gros que lui, quoi, sans déconner. T'as vu, il a un missile collé, c'est n'importe quoi. Il boite pas encore, hein. Il boit pas encore, mine de rien. Alors... C'est parti. Oh nice! Il est plus prendre le dernier coup. Trop bien. Mais oui, il a toujours son. Attends, qu'est-ce qu'il fout ce con? Ouais, il a toujours sa boucle d'oreille en fait. N'importe quoi. Mais. Allez!
Putain. Il va bientôt être en train de crever, non? Ah, il a la lance, c'est vrai que lui on a les stats donc on aura la tête de mort. Si vous avez un piège à la fin, vous pouvez capturer. C'est cool. Nice, il rouge. Allez, allez. Bouffe! C'est quand même dur, tu vois, de. Le feedback vraiment de cette attaque est tellement bonne car rien qu'elle, elle donne envie d'être de jouer le canard. C'est bon, il est boiteux. Rien qu'elle, ça donne envie de. À toute loupe. Ça donne envie de jouer au katana, quoi. Son dispositif, il réplique mes explosions de lance-canon. Ah, c'est la lance-canon que tu joues, Nina, justement. Oh. Et c'est un peu. Tu peux sortir ton bouclier, genre un peu tanky ou pas trop? Ça se passe comment? Ah, j'ai un piège, attendez, c'est bon. J'ai pas de bombes par contre. Si quelqu'un en a des bombes dodo, allez-y. Moi j'en ai pas. GG. Corail plus 2. Ah oui, est-ce que le niveau du fief qui est monté, il reste monté ou pas? Je vais revenir, moi là, je vais nous ramener. Je crois que ça reste, non, quoi qu'il arrive. Même si je quitte. Ah ouais, c'est vraiment en mode bouclier, ça a l'air stylé lance-canon en fait, donc c'était pas un fusil arbalète, c'est une bonne lance-canon. Ça a l'air très stylé, putain. Ta tenue, on dirait un petit côté Matrix, là, je sais pas si c'est fait exprès. T'as un petit côté Trinity, je trouve, dans Matrix, mais version rouge et noir. Bon, t'as oublié de mettre un pantalon par contre, hein, je te le dis. Je sais pas si t'as remarqué, hein, ton personnage n'a pas de pantalon. C'est le seul petit truc, mais... C'est stylé. Alors, voyons voir ça. C'est fait exprès, le manteau, c'est celui de Dante. Oh, oh putain, le nombre de compos que ça fait. Oh. Ah bah tiens, ticket de terreur VIP. Ah, oh, c'est incroyable. Ah ouais, clairement, le fief pour farmer, c'est next level, quoi. Putain, tu montes les rangs en plus. Les biomes qui montent. Ouais, c'est ça, donc toi, en fait, tu montes tes niveaux de biome, mais ensuite, tu peux les gérer, ça. Pour avoir justement des monstres de plus en plus stylés. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. On va continuer. Hein. Je vais aller voir. Je vais aller voir parce que là, j'aime pas trop. Le Velkana est sympa, mais je préférais comme le Dogaron. Donc, justement, on va aller voir ça. Alors, déjà, on va acheter ici les compos. Voilà, tous les compos secrètes. Et on va aller voir si je peux pas faire justement le stuff roi démon. Hein. Le fief glorieux, c'est la grosse zone de farm du. Ouais, mais c'est une belle idée, toi qui t'en veux. Hein. Forgé, armure spéciale. Ah, j'en ai 3. 3 sur 5. Encore 2. Ok. Bon, ça progresse tranquillement. Soon, soon, soon. Ok. Attendez. Vous restez ou pas, Nina et Tuko? En libre. Non, c'est pas ça que je veux faire. Spécial, tac, tac. Je voulais juste voir un petit peu les. Si je voulais dans celle-là. Okay. Déjà, on va faire ça. Gros, là, en face, je joue que les petits coups de canon. Ok. D'accord. C'est stylé, ça, c'est quoi le. C'est genre ton stuff qui fait ça, non? C'est une perk, ça. Je suis très tanky et en plus, je vole de la vie. J'aime. Tu sais, moi, ce qui m'intrigue, je sais qu'il y a la. Voilà, cette cape-là. 4 de provocation plus. Elle a 2 joyaux 4. Putain, c'est stylé. S'il a tiré, l'effet s'arrête si vous êtes attaqué. Attends, l'effet s'arrête si vous êtes attaqué? Je comprends pas. Là. C'est-à-dire qu'au moment où elle t'attaque, ça tanque plus? Attendez. Genre, donc, tac. Regarde la vidéo. Ok. Ah, genre le monstre il va te suivre en fait. Ah, c'est genre pour les attirer. D'accord. Tu les attires en fait à un endroit. Mais dès qu'ils te touchent, c'est fini. Donc c'est un taunt, mais c'est pas une conservation d'aggro. C'est pour vraiment les attirer à un endroit. T'es un leurre, c'est ça. Ce qui peut être pas mal par contre pour forcer, tu sais, genre le mettre contre un mur ou genre de choses quoi.
Ça peut être pas mal, ceci dit. Ça peut être, être sympa. Et accessoirement, ça me fait deux joyaux en plus. Ça fait deux joyaux 4 en plus, donc quoi qu'il arrive, ça va être cool. Ok. Et maintenant, là, en parlant de joyaux, qu'est-ce que ça fait exactement les joyaux de provocation? Je sais que j'en ai vu. Alors, rien qu'avec ça, je gagne deux autres joyaux 4, donc ça, c'est pas mal. Par vent, secret d'acier blanc, pour l'instant, non. Cogneur, joyaux du glisseur, je sais que je l'ai quelque part. Glissermètre, ouais, vu. Antigel, fléau, insomnie. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui restent sur les vieux stuff là? Non, grève de désastre. Pyramide, pourquoi je peux pas le mettre celui-là? Vous pouvez pas équiper ceci sur un emplacement? Ah, c'est des 3, c'est pas des 4! Crotte, j'avais pas vu. Bon, c'est déjà très cool ceci dit, mais c'est des 3 en fait. Ok. Ah, j'ai très peu joué le 3, j'ai surtout vu 4. Mousquetaire. Permet de partager tous les effets des objets avec les alliés mais à très grande distance. Ok. J'aurais dû le mettre. Oh. Je n'ai pas vu que j'avais pas ça. Ok. Joyeux d'attaque. Non, celui-là, je l'ai bien mis. Vita, fléau, vita, yes, yes, glisseur, j'ai. Aiguiseur, un bélier nulle part. On va voir un temps comme ça. Alors, équipement, attendez, tac. Divinité Valkana, ouais. Machine de guerre, ouais. Maître d'armes, on est bon. Putage rapide, ok. Ah, c'est activé que quand j'ai la cape, en fait. C'était trop beau, sinon. D'accord. Mise à mort, la carnassier, je pense que c'est activé quand je mets la cape, hein, c'est pour ça. Je me disais que c'était un peu pété, sinon, d'avoir mettre des capes comme ça, quoi. Ok, ok. Bah, écoutez, retour au fief, hein. Que je teste un autre truc maintenant. Non, je préfère me poser. Pour l'instant, j'ai envie juste de farmer. Hein. Après, attends, ça dépend. Je vais voir si je peux pas faire une arme rapide. On va voir ça. Je préfère prendre... Là, je pense que je préfère vraiment avoir une arme de foudre. Ou l'arme, une arme élémentaire. Attends, juste voir ça à la limite. Se concentrer sur lequel meuble à farmer. Si c'est pas celle du Rajang, tant pis. On va avoir juste une arme élémentaire, ça serait très stylé. Hein. Améliorer. Donc, on va juste voir. Qu'est-ce qu'il y a comme arme élémentaire sur lesquelles je pourrais jeter mon dévolu? Ah, il y a un poison. C'est une affliction, pas d'élément. Non, non, en 12. Ouais, sinon, effectivement, le... C'est du Valkana, hein. Glace, joyau 4. Après, c'est... Ah oui, c'est ça qu'il me disait. C'est vrai que le Rajang, l'intérêt, c'était que ça augmentait le tranchant. Tiens, d'ailleurs, attendez, est-ce que je pourrais pas faire du stuff de Rajang, d'ailleurs? Armure. On va regarder, je pense qu'on va commencer. Ok. En vrai, je pense qu'un Rajang. Ça vous tenterait ou pas, Nina et Tuko? Un Rajang normal, ça me va. Un, c'était pas trop dur à affronter en soi. Mise à mort et savoir-faire. Ah ouais, non, il est trop bien le truc. Il a pas de joyaux, mais il a deux trucs niveau 2, quoi. Incroyable. Donc, tac, hop. Affûtage rapide ou vengeance? Stylé pour enchaîner. Après, joyau 4 est stylé. Putage rapide, en soi j'ai déjà des trucs. Plutôt le 4, je dirais. Allemand, j'enlève ton. J'enlève tes messages au cas où tu nous as balancé un mot de passe ou je sais pas quoi. C'est pas contre toi, Allemand, c'est pour te protéger au contraire, hein, sache-le. Pas de méchance que j'ai fait. Savoir-faire, ça c'est trop bien. Savoir-faire ou mise à mort. Machine de guerre. Non. Là pour le coup, Osef. Ok. Voilà. Bah écoutez, go enchaîner du Rajang alors. Parce que le Rajang aura, j'aurai peut-être pas le temps. Là, le Rajang tout court est déjà très bien. Donc bon. Faut pas reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Sur une baguette, mais il est déjà sub. Ah! Oui, donc allemand. Ah oui, attends, t'as mis quoi? New World? Écrire. Pourquoi New World 31-10 par contre? J'ai pas compris. C'est quoi là? J'ai pas la propre ref. 31 octobre. Ah, pour aujourd'hui, tu fais des tests, c'est ça? Oui, par contre, t'es déjà sub allemand. Banane. Banane. Est-ce que j'ai du Rajang là? J'ai du Zinogre? Non. C'est chelou.
la message se voit sur ton chat sur le stream. Ah oui, mais c'est bon, ça, j'ai mis la date à jour. Ça roule. Vous avez au pire des contrats de Rajang, Nina et Tsuko, ou pas Rajang normal, hein, pas Orage. Rajang normal, je pense que je serai assez focus, ça va aller. Est-ce que la spéciale, non. Parce que j'ai les événements, mais juste en normal, quoi, ce serait stylé. Si vous en avez, Nina ou Tsuko, postez-les et on est parti. Là, j'ai bien mis les trucs. On va partir en full Rajang. Et pourquoi pas avec l'arme du Rajang aussi, on verra. L'arme, c'est pas encore défini. Le problème, c'est que c'est des mages du Sokur. À la limite, il faudrait mettre un truc en miniature. Ou alors, faut que j'enlève le truc à l'iBot, à voir. Vous êtes là, Nina Tugo, ou pas? Ah, événement. Tuer le fataliste. Ah, ça c'est... ça c'est Amalia et Vanguia. J'ai entendu parler fataliste, hein, rassurez-vous. Est-ce que sinon... Je regarde, ça roule. Sinon... J'ai un Zinogre Stygien en arène, ça va quand même être costaud. C'est bizarre, pourtant je l'ai capturé le Rajang, mais il me propose pas la quête en arène. Pourtant on l'a bien capturé, hein. Le Zinogre, je l'ai capturé, je l'ai en arène, mais pas le Rajang, c'est étrange. Je sais pas trop pourquoi. Sinon, écoutez, attendez, j'ai quoi de boule attaque. Sinon, on retourne dans le fief, hein, petit pasta. Et si on en voit, on le fera dans le fief. Hein. Je peux revenir si tu veux qu'on fasse un truc, tu gardes cette arme. Ouais, pour l'instant, je vais rester comme ça. Vas-y, Lou, il y a une place. Hein. On peut retourner dans le fief si vous voulez. Hein. Et, hop. Tac, tac, tac. Sinon, go le fief, Thomas de Patu. On verra si on en croisera un, quelque chose.